Après la formation dans le domaine des transformations du manioc et autres produits des champs, les mamans de l'Asbel Équateur en Marche ont procédé le samedi 21 décembre 2019 à la mise en pratique des enseignements reçus. Elles étaient plusieurs en leur siège situé dans la commune de Kassavubu pour présenter, mais aussi apprendre comment obtenir, entre autres, de la farine du manioc essentiellement bio, des samoussas, des crêpes, des gaufres et autres savons à partir de la racine des manioc. Les mamans, elles ont suivi les formations au niveau du ministère du Développement Rural. Elles étaient formées là-bas, je les ai formées. Aujourd'hui, ils ont passé leur test de jury, ils sont venus ici. Et ce qu'ils ont appris de notre côté, mais le niveau des mamans, vraiment, ils ont appris vraiment, ils sont capables d'aller aussi former les femmes de l'autre côté. Vraiment, le niveau est élevé. Former aux femmes la chaîne de valeur des manioc, parce que nous avons parlé ici seulement de chaîne de valeur du manioc. Parce qu'au niveau du milieu rural, les femmes qui sont en train de cultiver leur manioc, vraiment, ils ne se rendent pas compte que le manioc, hein, c'est un produit que vraiment on ne peut pas jeter. Ils ont une valeur vraiment très élevée. C'est pour cela qu'à base de le tubercule de manioc, nous pouvons aussi faire beaucoup d'histoires comme nous avons présenté ici avec les mamans. Nous avons transformé notre manioc et nous avons eu la farine planifiable et l'amidon et nous avons transformé beaucoup de histoires avec beaucoup de choses avec ça. Didier Kabela Litenge, président du Grand Équateur en Marche. La journée d'aujourd'hui a été une journée spéciale. Le Grand Équateur se prépare à la guerre. Pas la guerre contre les ADF Nalou, mais la guerre contre la faim et l'insécurité alimentaire par l'autonomisation de la femme en milieu rural qui travaille beaucoup et qui ne gagne pas. Nous voulons, à travers cette formation, conférer une valeur ajoutée à nos différentes cultures. La formation d'aujourd'hui a permis à tous les apprenants et à toutes les apprenantes de comprendre comment valoriser la culture de manioc. À travers la culture de manioc, rien ne se perd, tout gagne. Il faut noter que ces membres formés vont se rendre dans les provinces du pays pour former à leur tour.